Pouf YouTube, Rasuper, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo découverte de quelque chose sur Arma 3. On est en stream sur Twitch et tout simplement, ce que j'expliquais, la semaine dernière, j'ai découvert une nouvelle map. Alors, il y en a plein d'autres, hein. Je connais pas tout sur Arma 3, mais j'en connais pas mal. Et je ne connaissais pas cette map, justement, c'est la map Australia. Pour ceux qui la veulent, le lien sera dans la description, je vais vous expliquer comment la télécharger. Et après, on va aller dessus. En mode éditeur, et puis on va regarder un petit peu ce que ça propose. Et peut-être qu'un jour, il y aura un serveur live là-dessus. Donc, Australia, qu'est-ce que c'est? C'est une map qui fait 1 giga 2. Donc, elle est bien badass. Elle est énormissime. Elle a été publiée le 21 juillet. On est le 27 à l'heure où je tourne cette vidéo. Donc, c'est très, très, très récent. C'était fait par Ozzy. C'est sa map. Et tout simplement, ce brave garçon ou cette brave petite fille, je ne sais pas trop qui c'est, a fait la map Australie, donc vous voyez, là, on dirait que c'est une image à la Google Earth, mais en fait, la map ressemble vraiment à ça quand on est sur le mode éditeur. On va pouvoir se balader là-dessus. Donc, il y a Sydney qui est par là-haut, il y a Adélaïde qui est ici, pour ceux qui connaissent un peu l'Australie. Après, tu as toute la région des Grands Déserts. Et voilà, du coup, on va pouvoir aller se balader là-dessus, parce que pour ceux qui ne savent pas, l'Australie, il y a des immenses déserts de cinglés là-haut, et les déserts y sont, il y a les petits bouddhis et tout ça. Personnellement, j'ai jamais été en Australie, mais je pense que ça doit ressembler un petit peu à ceci. Au niveau des infos, c'est une map qui fait 40 km sur 40 km, soit 1600 km², j'imagine. Scarit, à mon avis, ça doit être ça. Altis, en comparaison, fait 270 km. Donc, pour comparer, Altis, donc Altis Life, parce que nous, en l'occurrence, Altis, c'est pour du life. Altis Life fait 270 km. On va dire, bref, on s'en fout. Hop, boum, 270. Et là, la map que je vais vous présenter fait 1600 km. Donc, c'est pas compliqué. C'est x 8 à peu près. Un petit peu moins quand même. 600 divisé par 270. X 6. C'est x 6. En gros, la map que je vais vous présenter est 6 fois plus grosse que Altis Life. Donc, je vous laisse imaginer tout ce qu'on peut faire dessus. La map est dispo gratos sur le workshop. Il y aura le lien dans la description pour ceux qui veulent le télécharger. Pour les plus impatients, vous tapez Australia dans la barre de recherche sur le workshop de Steam de Arma 3. Et puis, vous devriez la trouver. Vous voyez qu'on est sur le workshop. Australia direct ici et à la 5 étoiles, ce qui est plutôt rare parce que d'habitude... Il y a toujours des mecs qui dislike les trucs et tout ça. Elle est classée au même rang que Epoch, qui a aussi 5 étoiles. Elle est juste au-dessus d'Epoch. Et je vais vous présenter dans pas longtemps le mode Star Wars, qui lui est juste au-dessus. Donc vous regardez dans les plus populaires, vous devriez le trouver. Watch ! Ça explose de partout ! Lock ! Resub pour un quatrième mois, Lock. C'est beau. C'est beau, Lock. Merci pour ta fidélité. J'ai failli arracher l'écouteur du PC. D'ailleurs, je l'ai arrêté. J'espère que j'aurai toujours le son dans le PC. Hop, 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 parfait. On va voir si j'ai toujours le son. C'est bon, parfait, j'ai toujours le son. Merci à toi pour ton resub, jeune loup. Ça fait plaisir. On va mettre un petit lutin de Noël. Voilà, merci à toi. C'est très sympathique, ce petit soutien. Donc, du coup, voilà. Du coup, on va aller là-dessus. Pour ceux qui veulent, description. La map fait 1 giga 2, donc c'est relativement badass. 250 évaluations, 5 étoiles. Un gage de qualité, on va aller voir ça ensemble. Fichtre, j'ai oublié quelque chose. Pour télécharger la map, il faut s'abonner ici. Donc, il suffit de cliquer sur s'abonner. Enfin, moi, c'est mis, je suis déjà abonné. Mais en gros, il faut cliquer sur s'abonner. Comme ça, ça vous télécharge la map. Elle n'est pas dans mes historiques de téléchargement parce que genre, je l'ai fait il y a un petit moment. Mais en gros, voilà. Comme ça, vous savez, vous cliquez ici. Comme ça, ça le télécharge. Alors, la deuxième étape, parce que je commence par ça, c'est plus simple, c'est évite que tout le monde se pose des questions, genre, comment lancer cette map, parce qu'en soi, c'est pas un secret. Quand vous lancez votre jeu Arma 3, donc après avoir téléchargé la map, bien évidemment, et attendu 3 heures que ça se DL, vous allez dans paramètres, là, vous vous en foutez. Moi, j'ai le mode de mon serveur qui est activé, vous pouvez le désactiver si vous voulez. Moi, je le laisse activer, ça permet d'avoir pas mal de contenu live. Et dans extension, vérifiez bien que Australia est bien activé en cliquant dessus. Voilà. Et donc là, on a toutes les infos. 1 giga 2, dernière mise à jour 21 juillet, fait par aussi. Sur le workshop, le multi est signé. Je ne sais pas exactement ce que ça veut dire. Nous, on jouera en mode éditeur. Et voilà. Donc surtout, pensez à bien faire gaffe à ça. Parce que si ce n'est pas coché, quand vous allez lancer votre jeu, tout simplement, bah, ça le lancera sans Australia. Alors, à noter que...
Simon a resub, donc merci à toi Simon, c'est fort sympathique. À noter également que pour donc là la map Australie que je vais vous montrer, il faut le pack Alliance Armada Tinter Impact. Donc le mode là fait environ 6 gigas et il faut en plus celui-là, mais celui-là c'est la map qu'on a déjà. Parce que regardez, quand on est in-game, vous voyez qu'ici j'ai @Australia. Donc moi j'ai le premier, j'ai celui-là, @Australia. Il me manque juste le @AAADATAPAC. Mode que j'ai sûrement, mais j'ai pas pensé à l'activer. Donc surtout pensez à ça, vous qui voudriez tester cette map. Pensez à bien activer Australia et aussi Alliance Armada Tinter Impact. Pour ceux qui se demandent qu'est-ce que c'est un add-on qui regroupe énormément de contenu et c'est utilisé sur plein de maps. Il y a plein de maps qui utilisent des trucs de ce truc. Donc voilà, pour expliquer rapidou, c'est ça. Je vais voir si je peux pas le lancer avec ça, parce que je sais plus si je l'ai encore sur mon PC. Je vais aller regarder. Sinon, tant pis, on fera 100. Parce que je vais pas m'amuser à leur télécharger. Et vu que moi, j'ai un mode life, donc le pouf life, là, ce que vous voyez ici. Le pouf mode, c'est mes fichiers de mon A3L. Étant donné qu'A3L a un peu volé tout le monde, à tous les coups, j'ai peut-être des bases. Non, c'est bon, je l'ai. Donc c'est parfait. Du coup, on va être optimum. Regardez ce que j'ai ici. Hop là. Donc, on va être aux petits oignons. Du coup, je vais lancer mon jeu avec Alliance Terrain Pack. Donc, c'est pile ce qu'il faut. Ça tombe bien gelé. Pour ceux qui se demandent, ça fait 8,50 Go. Voilà. Et Australia, je l'ai aussi forcément. C'est juste en dessous. Donc, surtout, lancez votre jeu avec les deux modes-là d'activer. A tout de suite. Donc, du coup, vous lancez votre jeu, faites bien gaffe à ça, que vous ayez Australia d'activer, je vous l'ai montré en début de vidéo, que vous ayez, non pas Pouf Mode, vous vous en foutez, mais ça c'est moi pour avoir des bagnoles, mais que vous ayez Alliance Mark, attends, All In Arma Terran Pack, voilà exactement ce que ça veut dire, en gros il y a tous les Terran Pack là-dedans, donc il vous faut ceci, plus ceci, tout est trouvable dans la description ou sur Google, pour ceux qui lisent jamais les descriptions. À noter que le gars a un site internet, parce que pour le coup on va présenter le mode entièrement, qui nous dit, je lis Google Traduction, donc c'est possible que ce soit pas français traité. Bienvenue en Australie, la terre de désert et de vastes plaines, montagnes escarpées et de forêts tropicales. Donc ça a l'air plutôt sympa pour faire du life. Plage à perte. Je vais peut-être pas vous lire exactement ce que Google Traduction me dit de lire. Donc ça doit être plage à perte de vue. Vous pouvez passer des semaines à explorer et vous ne vous ennuierez jamais. C'est ce qu'on va faire dans cette vidéo, on va pas s'ennuyer. Je voulais créer quelque chose qui donne aux joueurs une idée de la taille de l'Australie. Sur la côte de l'île à Easton, chaîne de montagnes qui s'étend à près de 30 km du nord au sud sur la côte ouest. Nous avons les déserts du sable rouge. Certaines fonctionnalités clés, c'est dessous. Alors, on a 6 grosses villes modélisées qui sont Melbourne, Sydney, Adélaïde, Brisbane, Perth et Darwin. Ça parlera à ceux qui ont un peu de culture. Après, on a un pont qui va de... qui va de Sydney à Harbour pour rejoindre une île. On ira voir, je connais l'Australie, voilà quoi, je connais pas trop. Il y a des centaines de kilomètres de terre, la map fait 40 sur 40 km, ça je vous l'avais dit. De nombreux types de terrains à explorer, des terres agricoles, des forêts de pins, des déserts, de la brousse notamment. Environ 1,5 million d'objets, donc un objet c'est quoi? Un objet c'est ça par exemple, le gars il a posé ça sur une table. La table et la canette, ça fait 2 objets. Et on compte comme ça jusqu'à 1,5 million. C'est juste un truc de cinglé. À titre de comparaison, je ne saurais vous dire combien il y a d'objets sur Altis ou sur Lakeside. Mais à mon avis, c'est rien du tout. Parce que Lakeside, certains d'entre vous la trouvent petite. Là, la map que je vais vous présenter, ça a l'air d'être un truc de cinglé. Elle fait 6 fois Altis Life. Le gars qui fait un life là-dessus... Faut qu'ils mettent des stations essence parce que je crois que la bagnole, elle n'a pas assez d'implants pour faire l'aller-retour. Entièrement optimisé pour répondre aux ordinateurs de petites configs. 6 grands aéroports, 4 grands terrains d'atterrissage, beaucoup de bâtiments d'armes à 3 et bien plus encore. Voilà, donc je ne vais pas non plus tous vos spoils. Il y aura le lien dans la description pour ceux qui veulent soutenir, parce que j'imagine qu'on peut soutenir financièrement ce truc. Ou pour ceux qui veulent le soutenir en l'essayant, en faisant remonter des bugs, le lien sera dans la description. Moi, je l'ai découvert par hasard sur Steam, pour vous dire, le gars ne me connaît pas et je ne connais pas le mec. Je vous propose qu'on aille en éditeur. Alors, en éditeur, là, vous êtes... Waouh, trop bien, il va nous présenter plein de maps et tout. Non. Alors, en gros, qu'est-ce que vous voyez là? Vous ne voyez non pas le futur de mes serveurs, vous voyez tout simplement le All-In Terrain Pack Arma. En gros...
dans cet arrobas qui fait je sais pas combien de versions, il y a tout simplement tous les terrains ou les gros terrains d'Arma 3. Donc on a Chernarus, on a Sarani, on a Ramadi, on a Porto, on a Takistan Mountain, enfin voilà, on a plein de trucs, hein, bref. On a également Altis, forcément. On a Stratis, forcément. On a Lakeside, forcément, c'est ma map sur laquelle j'ai un serveur. Et on a Australia V2.0, c'est ça qu'il faut lancer, on clique sur continuer. Voilà. Et du coup, bienvenue en Australie. Alors en Australie, je crois qu'ils doivent parler australien, mais je crois qu'ils parlent un petit peu anglais. Du coup, je vais vous faire le début de vidéo en anglais. Hello, so, we go to Australia, ok, and we play Arma 3. Voilà. Alors là, voilà pourquoi je n'ai pas eu mon bac. Parce que je suis très mauvais en anglais. Alors, boum! Du coup, on fait ça, on fait ça. Alors, voilà la map de l'Australie. Là, je suis sur le mode éditeur. Donc, pour le moment, ce qu'on va voir, c'est grosso modo vue du ciel. Alors, voyons voir. By Australia. Papa, papa. Voilà ce que je vous disais pour ceux qui veulent aider le mec. Alors, voyons voir, voyons voir, voyons voir. Donc, ça, c'est la map de l'Australie. À titre de comparaison, je vais vous montrer. Du coup, on va faire ça bien. Je vais vous ouvrir un Altis. Hop. À titre de comparaison, ceci, ce qui charge. Ah, attends. Attends, j'ai un bon PC. Hop. Voilà. Pour vous montrer un petit peu. Voyez. Voilà. Donc ceci, là, ce que vous voyez là, sous vos yeux ébahis, ceci, c'est Altis. C'est un Altis Life. Life parce que c'est une map qui sert normalement à faire du life. Donc, on a les postes de contrôle, le champ de weed, on a Kavala, bien évidemment, qui est ici. Enfin bref, je pense que je ne vous présenterai. Bon, juste pour vous présenter un petit peu, quand je dézoome un petit peu, voilà ce que ça donne. Mais voilà, vous voyez, dès que je fais un petit peu de zoom, on voit de suite les routes. Là, il y a le PNJ Master qui bombarde sur tous les trucs. Voilà à quoi ça ressemble du life un petit peu, et voilà à quoi ressemble Altis. Donc, on a pas mal de villes, pas mal de trucs, on a des petites îles également. Voilà, machin chose, machin chose. D'ailleurs, MXM est là-haut pour ceux qui s'intéressent. Vous irez checker pour voir à quoi ça ressemble en réalité. Donc voilà, donc ça c'est du Altis Life. Donc voilà un petit peu à quoi ressemble la map. Je sais bête qu'on n'est pas à la hauteur. En fait, j'aurais bien aimé vous montrer à la même altitude ce qu'on voit d'une map à l'autre. En fait, pour vous montrer à quel point la map Australie est énorme. Donc là, on switch. On va sur Australia. Hop, Australia, pouf. J'ai commencé un petit peu à faire 2-3 trucs. Et là, attention. Attention. Voilà. Donc là, sur le coup, vous vous dites, ouais, c'est exactement la même map. Oui, mais non, parce que regarde. T'as vu? Incroyable, hein? La map est juste gigantesque. C'est hallucinant. Franchement, pour faire un peu de mapping depuis un petit moment, c'est hallucinant. Je vous propose qu'on a la Sydney. Alors, voilà. Donc, on va juste prendre ça. Hop. Voilà. On va aller à Sydney pour commencer. Et on va se balader un petit peu. La map est immense. Donc nous, on va tricher un petit peu. Vous voyez. Genre, des fois, on va un petit peu se téléporter par-ci, par-là. Et écoutez. Hop. Toi. Ce genre d'information. C'est pas ça que je veux faire. Bam. 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 Ok. On est parti. Donc là, on va à Sydney. On va aller voir un petit peu ce que ça donne. J'ai changé d'écouteur et en fait, le câble est trop petit. Ouais, c'est pas terrible. Hein. Comment on télécharge le pack de map? Je vous l'ai montré en début de vidéo, donc malheureusement, il faudra attendre. Ou, pour les plus impatients, je vous file le lien sur Twitch. Voilà, pour les plus impatients. Attention, attention. Voili, voilou. Mais pour YouTube, description, je ferai une jolie description en français, tout ça avec des mots simples. Et comme ça, vous allez tout comprendre. Hop là. Alors là, vous vous dites. Là, vous vous dites rien, parce que du coup, les textures, elles chargent. Je me dis pas que la route est aussi dégueulasse. Non, ça charge, c'est pas possible. Attendez. Ça charge ou ça charge pas? Ah non, j'ai l'impression que les routes sont vraiment comme ça. C'est bizarre ce qu'il a fait, on dirait que. Ah si 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 c'est comme ça, ok. Bon alors, la map est toujours en développement. Qu'est-ce qu'on peut voir? Non mais j'ai l'impression que ça charge encore en fait. Mais c'est pas possible que ce soit aussi dégueulasse la partie-là.
C'est bizarre. Bon, vous savez quoi? On va prendre le petit 4x4 police et puis on va se balader un petit peu dans la map, histoire de repérer un petit peu des bâtiments. Bon, on repère de suite le commissariat, qui ici s'appelle Qantas, Spirit of Australia. Bon, à mon avis, le gars qui vit en Australie, il doit y avoir des petits clins d'œil. Au niveau des bâtiments, vous allez voir des bâtiments d'Arma 3, bien évidemment. Des bâtiments, un petit peu de bâtiments de Daisy, je pense, de Arma 2, un petit peu de Life, peut-être. Enfin, voilà. Donc, on va se balader un petit peu. Bon, si on peut mettre les cônes, c'est pour vous dire, pour vous montrer rapidou qu'en fait la map là, elle est tellement immense que s'il y a un gars ultra motivé, eh ben là, il y a de quoi faire un serveur 600 slots en fait. Tellement la map est immense. Il n'y a aucun PNJ sur la map, forcément. Et on est tout seul. Mais on va pouvoir visiter un petit peu les trucs. Donc, où sommes-nous? On est en plein Sydney. Alors, de tête, il y a un truc à voir à Sydney, normalement. Faudrait regarder sur internet. C'est quoi? On va se rapprocher de la mer. Je crois qu'à Sydney, même c'est sûr, il y a un truc à voir. Là, il s'est fait plaisir. Je crois qu'il y a un truc à voir à Sydney. Vous savez quoi? On va aller voir ça. Allez, hop, on va mettre le petit doton. Ah, on sait jamais si on croise des gens. Ou alors. Elle y est pas la sirène? Ah! Alors voyons voir, on va aller voir un truc. Je sais plus comment ça s'appelle et j'ai pas envie de dire de conneries, mais je suis sûr et certain que c'est à Sydney qu'il y a un truc à voir. Je crois. Poufouf les gens, welcome à ceux qui arrivent. Prex, Log Gamer, bienvenue les gars. Bon allez, du coup j'enlève les sirènes. Alors là on a un pont. Il faudrait qu'on aille tester. Ah, je sais plus où c'est, du coup j'ai un léger doute. La map est toujours en. La map est pas finie pour info. C'est pour ça que des fois il y a des textures un peu bizarres. Ah, attendez. Tout simplement que les textures ne sont pas chargées. Les effets de lumière par contre ça gâche un petit peu tout. Attendez. Attendez, attendez. Je crois que c'est à Sydney où il y a un truc à voir normalement. Attendez, je vais aller voir rapidement sur internet. Je crois qu'à Sydney. Voilà, c'est ça que je veux vous montrer. Je vais vous le montrer. C'est quoi? Je vais vous montrer ce que je cherche. Je cherche ça. Voilà, ça c'est à Sydney. Et ce qu'on va faire, on va chercher précisément sur la map où ça doit être et on va aller voir si ça y est. Et genre, à mon avis, je sais pas. On va pas trop s'avancer. On va aller voir ça. On va aller voir ça. C'est quoi? On va regarder sur Google Maps. Hop. Comme ça, si le gars il a fait une map dégueulasse, on va l'afficher en direct sans faire exprès. Alors, Google Maps, les gars, on est parti. Google Maps. Bon, je vous présente pas Google Maps. Je pense que vous avez compris. Alors voilà un petit peu. Donc ça c'est chez nous. Voilà. L'Australie est ici. Donc bon, sur le coup, c'est quand même plutôt réaliste, on va pas se mentir, regardez. C'est quand même plutôt réaliste. Et même c'est hyper réaliste en fait. Quand on compare le mec, il a fait un gros truc de barbare. Hein. Ah ouais, oh ouais, ok. C'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Alors, Sydney est ici, donc sur la côte. Donc, ce qui veut dire un petit peu par là aussi. Voilà. Alors, Sydney est là. Moi, je veux une vue. Voilà. Moi, je veux une vue comme ça. Alors, Sydney est là. Sydney est là. Sydney est là. Il y a l'aéroport qui est ici de Sydney. Vous voyez, qui est ici aussi où il y a un avion. Donc là, genre, c'est un petit peu le truc qu'ils ont essayé de faire ici, je pense. Ce qu'on voit là, vous voyez un petit peu. Et par contre, où est... Où est le truc méga classe? Est-ce que ce serait ça? Non, c'est pas ça. Fu. Fufufu. Comment ça s'appelle? Ce que je cherche, pour ceux qui sont sur le stream. Ne me laissez pas galérer. Comment ça s'appelle?
Sydney, normalement. Je l'aurais vu ici, en fait. Je l'aurais vu ici, je l'aurais vu ici. Là, je suis en train de montrer que sa map est pas du tout réaliste en fait. Mais si, si, si. Si, 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 si. C'est juste hallucinant, je veux dire. Regardez, quand on compare ça avec ça. Regardez. Eh, un petit peu, je trouve que voilà quoi. L'un dans l'autre, on a un aéroport, on a un aéroport. Ce qui est dommage, c'est que j'ai l'impression qu'il a pas tout mis en fait. C'est ça qui est un peu. C'est ça qui est un peu bizarre. Comment ça s'appelle? L'Opéra de Sydney. Ok, les gars. Nice, on va chercher l'adresse sur internet de l'opéra de Sydney. L'opéra. Vous saviez vraiment ça, les gars? Ok, c'est ça, l'opéra de Sydney. On est toujours en Australie, là? Ouais, si, c'est bon. Sur le coup, j'ai eu un peu peur. Donc, l'opéra de Sydney est là. Ça s'appelle comme ça, l'opéra. Bon, personnellement, on va pas se mentir, je ne savais pas. Voilà. Je le dis. Je le dis, je le dis. Du coup, ce serait un peu. Alors, attendez, on va essayer de se repérer. Bon, Sydney, c'est Sydney, on est OK. C'est près du pont. C'est près du pont. Donc j'étais dans le vrai en fait. Parce que j'avais souvenir que c'était près de la flotte et genre que c'était en face. Du coup, normalement, on devrait peut-être le voir d'ici. Ouais, de suite, ça rend ridicule quand même. Attendez. Il y a le pont. Il y a le pont qui traverse, voyez-vous. Il y a le pont qui traverse. Et quand on pense à l'Australie, enfin moi personnellement je pense à Sydney et je pense à l'opéra. Du coup, le gars, enfin je sais pas, ce serait débile qu'il se fasse chier à faire l'Australie s'il met pas. Dire c'est comme le gars qui fait la map de la France par exemple, s'il met pas Paris et s'il met pas la Tour Eiffel, il a rien compris. Bah là j'ai l'impression que c'est un petit peu pareil. Attendez, on va retourner dans sa bagnole. On va retourner en mode éditeur. On va regarder. On va chercher ça. Hop, hop. Alors attendez. L'opéra, c'est là. C'est quoi le pont? Est-ce qu'il a mis les noms des rues? Parce que sur certains trucs, des fois, il y a les noms des rues. Non, 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 non. C'est moi là-bas, je pensais que ça, c'était ce qu'on cherchait. Attends, pourtant, on est bon là. Semblant en plus. On va voir. Hop. Où il serait ici un petit peu quand on regarde. Il serait par ici sinon. C'est quoi? On va se taper là. Hop. Fermé. Ouais, vas-y, go. Hop, balance. On va checker. On va checker les gens. On va aller voir. On va aller voir les gens. Voilà, on va pas vous. On va pas rester dans le truc. Je vois rien. Ouais, enfin, je sais qu'il peut pas tout faire, mais c'est dommage, tu vois. C'est dommage. Et là, je viens de spoil ma prochaine vidéo. Bon, tant pis. Ouais, au point où on en est. Spoiler pour spoiler. Voyons voir, voyons voir. Le gars qui tombe sur cette vidéo, il voit ça. Il se dit, waouh, qu'est-ce qui s'est passé en Australie? Dark Vador, il a attaqué l'Australie. Bon, je vais arrêter de spoil parce qu'après, voilà. Après, je vais faire des vidéos. Tout le monde aura déjà vu. Il n'y aura plus d'effet de surprise. Donc, du coup, bon, pour Sydney, je pense que voilà, vous avez compris. C'est un peu dommage. Voilà, je suis un tout petit peu déçu. Mais pour moi, il y est. C'est juste moi qui ne l'ai pas vu. C'est ça qui est bizarre quand même. Hein. Demande si c'est Rediff. Yep. Ce sera Rediff. Vous inquiétez pas. Ce sera rediff, vu qu'on va passer 2 bonnes heures à crapahuter là-haut à bord de vaisseau spatial. Vaisseau spatial. On va aller voir par ici. On va se taper là-haut. Attendez, on va regarder ça. On va regarder. Et là, par contre, par ici, c'est plutôt joli, hein. Mais vu que la map est immense, forcément, c'est pas hyper détaillé. Mais bon, il y a quand même 1,5 million de choses, d'objets qui ont été placés. On va aller voir ça. Oh, c'est bizarre. Là, ça fait un peu penser à du Daisy vu comme ça, je trouve. Va mourir! C'est vrai, ça fait un peu penser à du Daisy.
Bon, tant pis. Les gens, téléportation. On va aller voir autre chose. C'est pas grave. Boum, téléportation. Qu'est-ce qui peut être marrant? Vous savez quoi? Du coup, on va aller voir l'aéroport un petit peu, voir ce que ça donne. Et genre, pour voir l'aéroport, voir ce que ça donne. Ces troopers. Les petits. Est-ce qu'il y a des véhicules un peu spéciaux? Impérial item. Non, c'est pas ça. Je me suis dit, au point où on en est, bon, je fais spawn un gros vaisseau spatial et puis on se balade comme ça. On va mettre ça. Ça va plaire aux gens, ça. Ça va plaire aux gens, les gens. Je suis en train de spoil 2 mois de travail en secret. Au moins, au minimum. Mais bon, c'est pas grave. C'est pour. Voilà. Hein. Il fallait bien fêter le retour en vidéo. Bon. Du coup, je suis dans ma Lada. En paysan. Habillé en paysan. Bon, ça rapporte. On va pas se mentir. Hein. Ça rapporte pas mal. Travailler pour Dark Vador. Du coup, voilà, je suis démasqué. Elle fait un petit bruit, cette bagnole en plus. Dommage que le compteur soit pas. C'est la première fois que je la vois en plus. Donc, aéroport, les gens. Voilà, tout simplement. La base. La base de chez base. Aéroport un peu simplissime, mais bon, on va pas se mentir. Hein. La map est quand même 6 fois plus grosse qu'Altis. Qui permet donc de décoller et tout ça. Et moi, ce que j'aimerais bien, c'est que. Oh putain, je mets du café. Ah, je mets du coca partout. Moi, ce que j'aimerais bien, c'est que il y ait une team de cinglés qui fasse un live là-dessus. Et ça pourrait être dément. C'est pour ça que je fais une vidéo dessus. Parce que je pense que si un gars fait un live là-dessus, qui prend un dédié à 700 euros par mois, il y a moyen de faire un serveur 600 slots sans croiser personne, tellement la map est immense. Du coup, je vais boire mon coca avant d'en foutre partout. D'ailleurs, en parlant de coca, il y a une petite histoire à vous raconter. Vous voyez, c'est un 150 millilitres. Bon, vous l'avez peut-être vu, la canette est plutôt minuscule. Sauf que quand j'ai fait mes courses sur le Clear Drive, elle faisait la même taille que les 33 centilitres. Et vu que j'ai arrêté l'école en CE1 et que du coup, je sais pas lire, j'ai pas fait gaffe. J'ai vu l'image, j'ai cliqué mettre dans le panier. Du coup, j'ai 24 canettes de 150 millilitres à boire au lieu de 33. Voilà, je me suis fait avoir, les gens. Je me suis fait avoir. Mouchoir à côté du bureau, la base. La base. Bon, voilà. Ouais, par contre, je suis un peu déçu parce que je pensais que la map était un peu plus. Enfin, non, on va pas dire que je suis déçu parce que je serais incapable de faire ça. Mais genre, la map est immense. Mais du coup, elle est pas. Genre là, je sais pas, j'ai l'impression d'être dans le désert de je sais pas où. Mais bref, on va aller checker un petit peu les autres avec notre bagnole. On va stepper les gens. On va aller voir autre chose. Parce que devinez quoi? Mais il y a d'autres villes. Donc là, on était à Sydney. Bon, voilà. Sydney, c'est fait. On va se balader un petit peu. Qu'est-ce qu'il y a de cool à voir? Brisbane. Vous connaissez? Eh ben, vous allez connaître. Hop. Téléportation, la base, on se tape ici. Hop, 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 hop. Contrôle joueur, forcément. Voilà, prévisualiser. On est parti, les gens. On va voir ça. Qu'en penses-tu de la nouvelle map qui va arriver sur Arma 3? J'en pense rien du tout. Parce que je me suis pas du tout intéressé au truc. J'ai regardé le trailer et ça rend quand même vachement classe. Hein. Elle est magnifique. J'ai regardé le trailer. Et j'ai trouvé que ça faisait encore un peu trop militaire en fait. Après, je sais qu'Arma, normalement, c'est un jeu de guerre. Bohemia, dans sa tête, Arma 3, c'est un jeu de guerre. Mais, genre, une map un peu life, ça aurait pu être sympathique. Parce que j'ai. Enfin, si on a maté tous la même vidéo, moi, je vois une île qui est jolie, avec des marais, la forêt, tout ça. Mais en gros, bon, voilà quoi, c'est la guerre urbaine, encore une fois. C'est pas vraiment du life. Après, à voir ce qu'on va en faire les gens. Stratis ou Altis, pareil. C'est pas vraiment des maps pour faire du life. On voit bien que c'est des maps de guerre.
Donc voilà, à voir. À voir, à voir, à voir. Mais je pense que c'est une bonne idée que Bohemia commence à faire des maps. Peut-être qu'un jour, ils vont se dire, tiens, le live, ça marche bien sur Arma 3. Les gens, ils achètent notre jeu pour faire du live. On va proposer des add-ons, des trucs comme ça peut être plutôt sympa. Mais c'est cool, on va voir quand ça sera sorti. Donc là, c'était... C'est quoi? On va aller dans les maisons, voir si les murs sont buggés. On va aller voir ça. Non, les gens, il n'y a pas de raid. Je sais pas, vous avez vu ça? Je fais jamais de raid. Hop là, on va aller voir ça. Oh putain, la maison est juste hallucinante par contre. Ah ouais, non mais c'est hallucinant. J'ai jamais vu une maison aussi belle sur Arma 3. C'est hallucinant la maison par contre. La maison, elle est hallucinante. J'ai l'impression de jouer aux Sims. Wow. Petite cuisine équipée, plaque de cuisson. Putain, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Je sais pas ce que le gars compte en faire. J'espère qu'il va faire un gros life avec. Oh oui! Oh oui! Bon, on va voir si la A8 rentre dedans. Alors, un souci que vous n'avez pas, mais que j'ai, puisque je roule en limousine, c'est pour garer sa voiture dans le garage. Regardez bien. Voilà. Voilà, vous voyez? Ça, c'est le genre de souci qu'on a quand on gagne beaucoup d'argent avec la YouTube Money. C'est que la voiture ne rentre pas dans le garage. Voilà. Bon, en soi, c'est gênant parce que du coup, je suis bloqué. Donc voilà. Voilà le genre de souci que j'ai quand on roule en lambeau grâce à la YouTube Money. La piscine en diamant est derrière. Je vais vous la montrer après. Donc ça, c'est le garage. Voilà, bienvenue chez moi. Avec ma limousine, la chambre de mes petites filles, souvenez-vous, les fameuses chambre de la petite fille encore, je sais pas, qu'est-ce que c'est? Ah, la salle de jeu, là c'est la chambre des parents, voilà, la chambre des parents qui donne sur un vieil immeuble complètement défoncé. Et la maison des voisins qui n'est pas identique à la mienne. En plus, on ira voir le voisin après. Et là, la cuisine. Non. Ah si, et là, ça ressort. Si, si, en fait, c'est exactement la même maison que le voisin, en fait. Ok. Bon, il n'y avait pas de salle de bain. C'est dommage. C'est dommage, c'est dommage. Le truc qui serait super classe, c'est que par la suite, il y ait des mecs qui fassent des scripts pour que, par exemple, quand je vienne ici, et que j'ai soif, et que je fais roulette de souris, ça me redonne ma... Mais oui, mais je me disais bien que j'avais une arme. Watch! Je me disais bien que j'avais une arme de Star Wars sur moi, en fait. Parce que. Oh mon Dieu! Je me disais bien. J'avais pas testé le mode de Star Wars, en fait, encore. Et je viens de comprendre deux, trois trucs. Bon, du coup, elle est garée, en fait, là. Bah voilà! Pas de problème, grâce à Star Wars. Pas de problème. Bon, parfait. Maison plutôt badass en soi. La baraque est plutôt classe à mettre sur un live. Ça claque. La maison est vachement, vachement, vachement bien. Je me suis un peu fait peur là. Au revoir YouTube. Exactement. Je me suis un peu fait peur. On n'aurait pas dit que c'était les SWAT qui rentraient dans ma maison quand le truc a explosé. Ce genre, j'étais en mode, tiens, qu'est-ce que j'ai lancé? Non, c'est pas moi! On aurait tellement dit ça. Bon, allez, on passe à une autre baraque. Donc là, on était ici. Voilà, dans les maisons. Là, c'est Brishban. Je sais pas s'il y a des trucs à montrer. Hôpital. Tiens, on va aller voir l'hôpital. On va aller voir à quoi il ressemble. Hop. Hop, 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 hop. Fermé. Joueur. Ok. Allez, on va aller voir ça, les gens. On va aller voir ça. C'est pas un serveur. Non, non, c'est pas un serveur, hein. Non, vous êtes cinglés. Il me faudrait 20 ans pour faire un serveur comme ça. Non, non, non. On teste la map, les gens. Et du coup, ceux qui vont vouloir faire un live, ben voilà. Comme ça, ils connaissent la map. Au lieu de faire que des Altis live par milliers, eh ben on aura des Australia live par milliers. Alors, l'hosto, c'est celui que tout le monde connaît, du coup. Un peu dommage, parce qu'en soi, ça, c'est pas de l'australien, c'est du russe. C'est pas le même alphabet. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans cette ville, du coup? On a les petites maisons qui sont plutôt sympathiques, disponibles en deux couleurs. Un peu sable et un peu pierre.
Et mais ça rend vachement bien en plus qu'on conduit en voiture comme ça. Regardez, on s'y croirait. On s'y croirait. Avec le petit quartier, le petit stop. Il y a différents types de maisons. On va pas tous les faire, il me faudrait toute la nuit. La petite église à l'armada, un petit peu on dirait. Hop, les entrepôts. Il peut y avoir des garages. Ça me fait penser à Daisy. Un petit peu. Ouais, si, c'est ça. International Hotel, donc qui est normalement près de l'aéroport. Ah, il y a un petit pont, c'est con. On va aller tester les ponts. On va aller voir un petit peu à quoi ça ressemble les ponts. Un terrain de basket. Les petits shops. Arma 3, Altis. Un bâtiment qui est dispo sur le life. Voilà, des containers. Donc, il y a moyen de faire des trucs plutôt badass. J'avais vu un pont. On va aller tester le pont. Attention! C'est pas mal. Le pont est plutôt pas mal. Et là, normalement, on peut aller toujours tout droit pendant 10 minutes. Vu que la map est 6 fois plus grosse qu'Altis, normalement, je tomberais toujours sur quelque chose. Putain, ça rendait tellement bien quand j'ai explosé la bagnole. Alors, où c'est qu'on est? On est un peu dans le désert. J'ai pas de repère kit. Attends, et quand on monte à l'arrière de là? Ah, c'est ça, monter à l'arrière, je suis déçu. Attends, c'est quoi? J'ai juste envie de tester ça. Bah là, la voiture, elle fait rien. Ok. Oh, j'ai sursauté alors que je savais que ça allait faire ça. Ok, très bien, passons au nom de ville. On va aller voir qu'est-ce qu'il y a d'autre intéressant. L'aéroport, on a déjà vu. Ce qui serait cool, sinon, c'est que j'arrive à faire décoller un avion. Voilà ce qu'on va essayer. On va essayer de faire ça. Ça, ça peut être bien badass, n'est-ce point? Pouf pouf! Bibi Aurélien, welcome les gars. Vous êtes 410, exactement. Un petit peu moins de 400, c'est beau. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Du coup, on va transformer la Audi A8. On va la transformer. Un hélico. Est-ce que j'arriverai à faire décoller un hélico? On essaye. Allez, s'il te plaît. Viens. On va essayer. On va essayer de faire décoller un hélicoptère. Comme ça, on pourra voir plus de paysages. Et plus rapidement. Attention. Oh! Plutôt pas mal en plus celui-là. Call 911. Call 911. Ok. Parfait. Donc là, aéroport. Donc du coup, normalement tranquille. Voilà. Finger in the nose. Waouh. Depuis quand il y a ça sur les hélicoptères? Merci à ceux qui follow, les gens. Only Games. Merci du follow, jeune loup. Attends. Et si j'enlève mon casque? Ah si, je le vois toujours. Pourquoi l'hélico il bouge là? Merde, qu'est-ce qui se passe? Ok. Chut, Houston, Houston. Ok. Autorisation de décollage. Parfait. Je vais déjà décoller de toute façon. Je vais vous baisser un petit peu le son avant qu'on s'écrase. Vite, vite, vite. C'est parfait. On est parti, Houston. Alors, ici, vous avez la petite ville de Brishban, voilà, qui est construite de la façon suivante. Des routes, merci, des routes qui s'éloignent un petit peu, des petites maisons, des petites maisons. Bon voilà, vous voyez un petit peu comment ça marche. Un truc un petit peu américain, il est en quadrillage, qui est plutôt pas mal. La petite église avec les tombes, le petit terrain que je vous avais montré, le pont qu'on a pris. Et là-haut, une sorte de petite base militaire avec des feux et tout ça. Je vais vous rebaisser le son. Parce que je trouve que ça va me rendre sourd. Voilà. Ça fait beaucoup de bruit. Pour pas grand-chose. Parfait. Ici, zone industrielle avec énormément de conteneurs. Avec un stade de foot. Et un stade de je sais pas quoi. Je connais pas ce sport. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a des grues un petit peu à la GTA. Donc ça, pour le coup, c'est quand même plutôt badass. Et après, on a toutes les maisons.
qui elles pour le coup sont juste vachement belles. Les maisons, je sais pas qui les a fait, mais les maisons sont vraiment 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 magnifiques. On a là-haut un petit terrain de basket, un petit jeu, et après il n'y a plus rien. On va aller voir vers où on peut s'orienter. Je sais pas ce qui est connu en fait, genre s'il y a des petits mythes. C'est quoi, on va s'orienter par là-haut pour voir un petit peu la puissance de cette île. Alors on va essayer de le faire. Hop. Ah c'est parfait, on peut tourner sur soi-même. Oh ça c'est parfait pour moi ça. Okay. Et ce pilote les gars, mais ce pilote, attention. Attention. Pouf pouf, bienvenue à ceux qui arrivent les gars, welcome. Est-ce que je vais faire du multi? Non, parce que pour faire du multi sur cette map, il faut l'upload sur un FTP. Et vu que la map est énormément énorme, et ben, j'ai pas fait. Voilà. J'ai pas fait. C'est pas prévu pour le moment. Petite balade en tenue de Star Wars, les gens. Attention, attention. Alors, en avant. Comme ça, on va mieux découvrir la map. Comme ça, ça vous montre un petit peu le futur des différents projets que j'ai en cours. Parce qu'en l'occurrence, là, l'arobase qui est dessus, le mode, c'est le pouf mode. Le mode qui est utilisé sur mon A3L et sur 2-3 autres serveurs. Du coup, bah là, voilà. Future texture d'hélico de police. Allez, hop, en avant. On va essayer d'aller plus vite. Oh, chaud. Il y a 12 km. Et il y a 12 km. Si je veux aller jusqu'au bout, j'ai 31 km. Pour ceux qui jouent jamais à This Life ou qui ont jamais touché un life de leur vie, c'est énormissime. Énormissime. Les motovlogs, les gens, c'est bientôt. Énormissime, en fait. Il faut 30 bornes. Il y a 30 km pour la traverser. Imaginons, on joue sur la map. L'un d'entre vous tombe en panne. Faut envoyer un dépanneur ou un dépannateur pour ceux qui préfèrent. Et ben 30 bornes même en hélicoptère, c'est long, c'est très très long à faire. Je suis à quasi 100 km/h, voilà. Et ben ça va être long. Alors voyons voir du coup la petite map. Ouais, donc en fait au niveau de l'idée, j'ai l'impression que il a fait l'Australie. Donc là-dessus, pas de soucis. C'est plutôt badass d'ailleurs ce qu'il a fait. C'est même énormément badass. Par contre, vu que la map est immense, vu que ce qu'il voulait faire, c'est un truc immense, il a pas pu tout modéliser. Et du coup, on a beaucoup d'endroits comme ça en fait. Où genre, il y a une route, des champs, une forêt, et puis voilà. Donc ça, forcément, c'était le souci quand on veut faire une map immense. Mais au moins, elle est entièrement modélisée. Et voilà, il n'y a jamais trop d'espace vide. Ça, c'est des champs, ça, c'est une forêt, voilà. Et c'est vrai qu'elle est énormissime. Oh là là, il reste encore 25 km à faire. C'est dommage parce que, en fait... Non, on va juste aller ici, après on refera un petit peu de TP. Moi, à la base, je voulais vous montrer ça, donc on va y aller. Hop, parfait. J'entends toujours le truc tourner. Donc on va aller ici, au lac Air. Parfait. Et on va aller checker sur Internet. Où tu sais qu'il est. Voilà, parce qu'ici... Ici, on a les moyens, ici. Attention. Alors, le lac Air, pour ceux... qui n'ont jamais été en Australie. Oh, et du premier coup. Ici, c'est le Air National Park. Voilà, qui est ici. Donc, pour les plus curieux d'entre vous, blam, je te dépose... Bon, en fait, c'est un lac de sel, on dirait. Hop, il y a un numéro, ouvert 24 heures sur 24. Il est ouvert aujourd'hui pour ceux qui veulent aller visiter le parc national du lac Air. Bon, vous n'aurez pas plus d'infos pourvu que je ne me sois pas écrasé. Non, c'est bon, toujours. Pilotage automatique. Parfait, on va dessus. Donc voilà. Donc du coup, le lac, vous pouvez le visiter pour ceux qui veulent. Donc il est à peu près au milieu des terres. Et après, c'est toute la partie désert qui est aussi présente sur le jeu, qui est tout ici en fait. Voilà, le West Australia qui est mis là. Il est mis ici, où là, il y a tout le désert avec le territoire du Nord, le territoire du Sud, South Australia, Queensland, et là, c'est New South Wales. Donc, c'est exactement ça, avec la mer d'Australie et tout ça. Et là, la Tasmanie qui est ici.
la Tasmanie qui est juste en dessous. Voilà, qui est ici, c'est là où vit Taz, notamment, hein, le petit personnage de notre dessin animé préféré. Voilà. Donc Taz vit ici, en Tasmanie, avec les petites îles qui sont aussi ici. C'est un truc de cinglé, regardez. Là, il y a une petite île, il y a une autre petite île là, et ben elles y sont. Donc là, il y a quand même eu du taf de gros cinglés. Ici, c'est Bass Strait, Bass Strait. Et ben ici aussi. Regardez. C'est quand même un truc de cinglé. Il y a vraiment eu du taf de fou. On arrive sur le lac. En plus, on va les pouvoir visiter vu que c'est ouvert aujourd'hui. Là, attention. Voilà quoi. On est sur quelque chose de quand même vachement sympathique. Moi, j'ai aucun bug, les gars. Je vous dire, ça drop. Nope, ça va. Parfait. Magnifique. Bon, du coup, allons-y. Donc là, lac de sable, enfin lac de sel. D'ailleurs, il y a encore un petit peu d'eau. Hop, donc là, on est ici. En gros, qu'est-ce que je vous ai présenté? Je vous ai présenté un petit peu par ici, un pidou. Un petit peu ici en montant. Là, on va ici et après, on va aller dans le désert pour voir un petit peu comment c'est le désert. Après, même, on ira, je pense, jusqu'ici. Après, on aura fini rapidou le tour de l'île. Alors après, bien évidemment, à vous de télécharger le truc et de regarder par vous-même parce que la map est trop trop big pour tout faire. C'est un truc de cinglé par contre. Oh. T'as sur cette map pour placer des ressources, parce que le truc le plus chiant quand on fait un peu du life au niveau du mapping, c'est pour savoir où mettre les ressources, où mettre les vendeurs, où mettre les traitements. Sur une map comme ça, elle est tellement immense que t'as même pas besoin de te faire chier. Tu t'en mets un là, un là, un là, un là, un là. La map est tellement énormissime que c'est bon. C'est quoi, on va atterrir? Je vais essayer de me poser, les gars. Ça n'a jamais été fait, ça. Voilà. On dit qu'il y a des... On dit qu'il faut qu'on atterrisse ici parce que... Genre... Voilà, parfait. Oula! Là, Ali, mais atterri! Attendez. Moi, je veux baisser d'altitude, en fait. Comment on baisse... RIP! Oh, les vilains! Comment on baisse d'altitude? Ah, c'est W, j'ai l'impression. S'inquiétez pas, les gens. Voilà, j'atterris doucement. On est plutôt bien placé, en plus. Au pire, on va atterrir dans l'eau. Les roues sont sorties. Bon, on va atterrir dans l'eau là. Ok. Oh là là. Alors là, attention, le beau gosse est dans la place. Ouch! Non! Faut appeler Darvador. Il y a un de ces gens. J'ai pas compris pourquoi j'ai raté parce que normalement j'avais réussi en fait. Vous voyez, là il y a la rediff enfin il y a le stream en direct. Normalement j'avais réussi et je sais pas ce qui s'est passé. Donc faudra appeler Dark Vador pour lui signaler que quelque chose ne s'est pas passé vraiment comme prévu. Bon, du coup, on file là-haut. Hop, donc on est mort ici. Hein, pour ceux qui se demandent, voilà, ma dépouille est ici. Maintenant, eh ben, on va démarrer ici. Voilà. Et on va se filer un bon 4x4 de cinglé. Il y a tellement de trucs dans cet add-on. Je pense pas que ce soit très très utile un sous-marin. Sauce car. Une petite Chevrolet. Et genre, une petite. Une petite Porsche.
Vous voyez, quelque chose de sympathique. Une petite Porsche, entre nous, comme ça. Hein, je vous dis, allez, c'est quoi? On va se faire un petit tour en Porsche. En avant! Ah, le Monster Truck, Monsieur Panda, c'est une excellente idée, ça. Watch. Et on se sent seul. Hein. Ouais, l'impression de grandeur est hallucinante. Hallucinante, cette impression. C'est un truc de fou. Regardez, il n'y a rien. On dirait un épisode de Top Gear. Quand ils testent des bagnoles sur un lac. On dirait un épisode de Top Gear. Waouh. Et là, le petit lac de sable. Pile ce qu'il faut pour tester la vitesse des bagnoles en plus. Avec le mec de Star Wars dedans, quoi. Ah, c'est parfait! On va sortir le Monster Truck si je le retrouve. Et on va aller faire mumuse avec dans le désert. 207 km/h vitesse max. Oh là là. C'est quoi? On va prendre un peu de vitesse et on va voir si on peut monter la grande pente d'un coup. T'es tout seul? Non, en fait, on est 500 sur la map, mais vu que c'est tellement grand et que je suis dans le désert, on va croiser personne. Mais il y a d'autres gens. Je viens d'avoir une idée. Hein? Les gens qui comprennent seulement que je suis tout seul. Qu'est-ce que je fais? Je teste la map Australie. Voilà ce que je fais. Attention. Et là, si on peut décoller, on est à 200 km/h. Un peu de vitesse, on perd un peu de vitesse. Attention. What? Oh le saut. Le saut de fou furieux. Le saut de fou furieux, putain. J'ai jamais fait ça de ma vie. C'était magnifique. Alors là, la petite truc, parfait. Bon, c'est quand on va se filer une autre bagnole. Par contre, je sais pas si je vais réussir à la trouver. La bagnole dont vous me parlez, là, parce que... Je crois que c'est du... Non, là, c'est que les motos. GGN Hunter. Je sais pas si je vais réussir. Ah, attendez. Alors, Monster Truck. Oh, j'ai réussi. On va faire du Monster Truck dans le désert australien. Vous n'avez vu ça nulle part ailleurs, les gens. Voilà, c'est uniquement ici. Est-ce que vous êtes prêts? Oh là là, le truc de cinglé. Voilà. Le gros truc de cinglé. Ça change de Lakeside. Hein. Ça change de Lakeside. C'est quoi? On va essayer de se faire un petit saut. Non, 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 tant pis. Ça va nous prendre 30 ans avec ce véhicule. What? C'est tellement classe. C'est tellement beau gosse. C'est pas un fake. Non, c'est pas un fake, les gens. C'est vraiment la map Australie. On est vraiment Monster Truck et je suis vraiment habillé en Star Wars. C'est la réalité. Waouh. Bon, en même temps, c'est vrai que l'Australie, c'est composé en majorité de désert. Du coup, faire une map sur l'Australie, en gros, t'as pas tout à mapper toi-même. Bon, faut faire les reliefs et tout, c'est sûr. Mais je veux dire, ici, c'est le désert, donc t'as pas à te faire chier à faire des villes. C'est pas comme si t'essayais de faire un truc comme Lakeside,
où la map est relativement petite, mais où t'as pas mal de détails. Là, la map est immense. Mais d'un côté, t'as une grosse partie, c'est le désert. Et au niveau des villes, c'est un petit peu copié-collé. Mais bon, il y a quand même un taf de cinglé là-dessus. On va pas cracher sur le travail. C'est beau. C'est beau quand même. Et genre, il y aurait moyen de faire un Paris-Dakar là-dessus, quoi. Vous imaginez le serveur où vous avez la possibilité de faire Paris-Dakar. Enfin, même si on part plus de Dakar et on va plus à Paris, hein. Mais la course dans le désert, il y aurait tellement moyen de la faire. Oh là là. C'est hallucinant. J'ai jamais fait ça de ma vie. Hallucinant. Avec les montagnes au loin, là-haut, ça rend vachement bien. Bon, par contre, forcément, on est dans le désert, hein. Donc, en gros, bah, voilà, il n'y a pas grand-chose à faire. Ça, c'est le désert, ça, c'est le désert. Je pense qu'on a fini notre expédition dans le désert, parce que le désert est vraiment immense. Donc du coup, on pourra pas tout faire tout de suite. Un serveur Mad Max, il y a de l'idée. Il y a de l'idée. J'ai vu un kangourou. C'est vrai, Joël? Un kangourou. Et ça pourrait être vachement stylé aussi, hein, qu'il fasse des kangourous et tout ça. Ah, le petit saut. Attention, on décolle les gens. Ouais, on va décoller là, normalement. Au-dessus. Attention, attention, attention. Ouais. Bon, Monster Truck. Oh oui, et là. Oh oui. Oh oui. Ouh. Oh, pas mal. Oh. On a failli se retourner. Oh putain. C'était bien kiffant quand même, hein. C'était bien kiffant quand même. Bienvenue en Australie, les gens. Bienvenue en Australie. Allez, on se TP. On va se rapprocher. Hop. D'une ville. Donc, la ville qui est là-haut. Perth. Avec un aéroport de fou furieux. Et ce sera la fin pour cette vidéo découverte de l'Australie. Qui n'a pas été complète, hein, bien évidemment. Il faudrait trop de temps pour tout voir. En plus, l'auteur a sûrement caché des trucs par-ci, par-là. Voilà. Donc, du coup, ce sera. Petite visite fort sympathique. Parce que je l'ai téléchargé pour ça. On va tester une autre bagnole. C'est skateboard, des autobus. Box. BMW série 5. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Série 6. On va voir. En même temps, je découvre de nouvelles bagnoles. Prends un avion. Un avion, c'est vrai qu'on pourrait se finir avec un petit avion, un petit décollage, vu que l'autre fois, Romain m'a expliqué comment décoller. Waouh. Je savais pas qu'on l'avait, celle-là. À qui appartient cette voiture? Ah, c'est ça. Je disais bien que je la connaissais pas, celle-là. Allez! En avant! En avant, en avant, en avant. Ah! On a du life. Murder King. La base. D'ailleurs, pour ceux qui se demandent, Murder King, ils vendent des voitures, mais en fait, c'est juste le bâtiment qui est utilisé. Sinon, tout le monde s'en fout. Alors, on va aller près de l'aéroport. On va aller par là-haut. Non, où c'est quoi? On va faire demi. Oh, il y a une ligne droite. Oh, il y a moyen de pousser la bagnole à fond, là. On va redescendre jusqu'ici et on va remonter jusqu'en haut, les gars. Voilà ce qu'on va faire. Voilà ce qu'on va faire. Bon, sinon, non. On va juste faire ça. Ça fait un peu penser aux États-Unis, les immenses étendues comme ça, où il n'y a rien. Où il n'y a rien du tout. Oh! À la... Je crois que je suis mort. C'était un petit peu à la E.T. Bon, allez, les gens. Voilà. En gros, je vous ai montré la map. On va essayer de faire décoller un avion. Enfin, on va essayer. On n'aura pas le choix. Oh, le tips 333. Vers quelle heure tu viens pour le civet de lapin? Jamais. Jamais. Jamais, Aska. Jamais. Never.
Never. On va essayer de décoller, les gens. Nous allons essayer. J'ai bien dit essayer parce que vu que je suis vraiment pas bon, c'est pas sûr qu'on y arrive. Hop. Alors, la série 6. On va mettre. Ouais, t'as un avion. Je sais plus où c'est qui sont mes avions. Où c'est qu'ils sont? Parce qu'en fait, j'aurais bien utilisé les avions du life. Tellement de bagnoles. J'ai vu sexe, j'ai cliqué dessus. Forcément. Life, life véhicule. C'est les avions du life que je veux. Skyline, Volkswagen. Elles sont pas là. Où c'est qu'elles sont? Non, c'est quoi? Ce qu'on va faire, on va faire autre chose. Ça, je le délète. On va faire un truc hop fort. Oh non! Oh non! Oh non! Voilà le gros spoil d'une prochaine vidéo en direct. À quand RP médiéval? Très bientôt, j'ai très envie d'aller refaire. Descends de ma moto, s'il te plaît. Oh, descends de ma moto. Non mais le gars, il monte sur ma moto là, il croit que c'est la fête là. Allez, j'en décolle. Vers l'infini! Oh là 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 là, ça va être épique la prochaine vidéo. Ça va être épique. Bon allez, on arrête les conneries, je vous mets un avion quand même. Alors, on a dit un avion. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Non, c'est pas ça que je veux. Wow. Ah si, c'est bon, c'est ça. Il y a tellement... Ah, il y a des avions de chasse et tout. Il y a tellement de contenu que c'est un truc de cinglé. Donc, l'avion. Hop, moi je me mets là. Ça, je le mets là. Je le mets là. Et on est parti, les gars. On est parti. Poufouf! Welcome à ce carré du Star Wars RP, ce serait vachement. Eh, monsieur! 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 Oh! Oh, monsieur! Bon. Alors, ça, c'est ce qui se passe quand on se merdouille un peu. Information néant non jouable. Par défaut. Normalement, il ne devrait pas me tirer dessus, là. Normalement. On va essayer. Le gars qui se fait défoncer par des bottes. Normalement, il n'y a personne là. Mais c'est pas possible, je me suis encore trompé. Bon, attendez, c'est quoi? On va tuer son pote. Ah! Mais non, mais je l'ai tué normalement! Pas possible, hein. C'est pas possible, hein. Joueur pilote, voilà. Qu'est-ce que tu vas faire là? Voilà, c'est bon. Banne-le. Il y a de l'idée. Bon, voilà, je vous explique. Oh putain, non. L'autre, il va descendre, il va me tirer dessus. Bon, je vous explique. On décolle, les gars. On est dans un avion. Attention, attention. Alors, on va baisser le son parce que je trouve que ça fait très mal aux oreilles. Alors, normalement, si qu'il est romain, je crois que c'est mage. Voilà, il faut que je sorte les volets deux fois. Voilà.
Hop là. Là, on prend de la vitesse. Et j'appuie sur S. Oh! Attention, le pilote. Après, je rentre. Non! Non! Non, 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 non! C'est... Voilà, je rentre le train. Non. Voilà, je rentre le train. Non! J'ai pas de parachute. Et qui c'est qui conduit l'avion du coup? N'importe quoi. Bon allez, bref, on va cesser là-dessus. Les gens, on était donc sur la map Australie. Le lien sera dans la description avec les différents liens pour ceux qui veulent tester la map là. Tous les véhicules qui sont sortis, tous les trucs et tout ça, c'est parce que j'ai utilisé l'arrobase de mon live. Mais si vous allez jouer sur des serveurs, utilisez leur live, enfin leur mode pour faire spawn des trucs. Voilà. Bon, on va pas se laisser sur une défaite. Vous voyez, on va recommencer quand même. J'aimerais bien atterrir. Genre, ça pourrait être vachement cool. Parce que je suis vraiment, vraiment, vraiment pas bon. Mais déjà, attendez, parce que... Hé, t'arrêtes tes conneries là. Donc voilà, donc Australia... Description pour ceux qui veulent essayer. Et nous, on se retente un décollage. Voilà, parfait. Ok. Alors, on rentre le train rentré. Volet rentré. J'ai pas compris pourquoi ça m'avait éjecté en fait. J'ai pas compris. Oh là là, c'est tellement classe. J'aimerais bien atterrir en fait, pour vous dire la vérité. Donc on va se retenter un atterrissage. On va se retenter un atterrissage. Si tu veux atterrir, on y est demain. Bah tant pis. Mais tourne! Ok. Elle est où? Normalement elle est en face. Oh merde, elle est là! Oh l'idiot! Oh putain! 4X! Welcome! Troisième mois de fidélité mec, merci du sub. Ça fait plaisir. Attends 4X, on va tenter quelque chose. Je sors le train. Je mets les volets. Je crois que c'est W pour baisser la vitesse. Les gens, on va se poser. Oh! Oh oh oh! Merci, 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 mes félicitations, merci, 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 merci. Peuple de France, j'ai réussi! J'ai réussi à poser. Ce T6A Texan. Bon alors on fera pas gaffe sur ce qui est écrit dessus. We win. Eh hey, hein. Ça se moque, ça se moque. Tiens, pour la peine, vu que ça se moque. Ça se moque, ça se moque. N'empêche, moi j'ai réussi les gars. Eh ouais. Eh ouais. Moi j'ai réussi du coup. Hop, mouvement de joie. Oh, c'est tellement joli. Les gens, je l'ai fait. J'ai réussi à poser un avion. J'ai décollé. J'ai volé et j'ai réussi à atterrir, les gens. Attention. Attention, attention, attention. Ah ouais. Hein. Du coup, j'ai pas besoin de stream jusqu'à 2h du matin. Voilà, bon, parfait. Du coup, nous, on va cesser là-dessus. J'ai réussi à atterrir, à décoller. Romain sera très, très content. C'est fait. Nous l'avons fait, les gens.
Bon, l'autre, il veut pas mourir, c'est pas grave. Nous l'avons fait. C'est parfait. En plus, on était dans l'avion avec lequel j'ai appris. C'est des T6A Texan 2 qui sont dispo sur les life mode, pour ceux qui veulent. Et c'est très cool à... C'est très cool, je trouve. Ça se manie vachement bien. Et bon, pour le coup, ici, genre, il y avait pas mal de place encore. Ouais. Tu peux atterrir où tu veux, vu qu'on est sur la map Australie. Voilà, t'atterris entre deux villes, on n'en parle plus. Donc, c'est fait, j'ai réussi. Voilà. Merci pour ton tips, Mathieu. D'ailleurs, il manque un petit smiley pour 4x. Pour son petit resub, du coup, hop, le petit chat. Voilà, parfait. Bon, nous, les gens, on va se laisser là-dessus. Merci à ceux qu'on follow, qu'on tips, qu'on sub. Merci du soutien, les gars, ça fait très plaisir. Pensez à follow pour ceux qui ne me connaissent pas sur Twitch. Les gens, vous êtes 444, c'est pas beau. Si, c'est pas beau. Merci à tous. Les gars, nous, on va donc se laisser là-dessus. Il y aura les liens dans la description pour ceux qui veulent tester la map Australie. Les véhicules ne sont pas fournis. Donc, tous les véhicules que je vous ai montrés et tous les petits add-ons, les petits trucs un peu bizarres, c'est parce que j'avais mon mode qui était mis, le Pouf A3L. Mais de base, il n'y a rien du tout. Donc, vous aurez que les véhicules de base du jeu pour vous balader. Ça vous suffit largement. Et là, on était sur le mode éditeur qui permet de se taper où on veut, de se giver des bagnoles et tout ça et de faire un peu n'importe quoi. Mais en aucun cas, c'est un life. C'est-à-dire qu'il n'y a rien. On ne peut pas acheter de voiture, on ne peut pas faire de ressources. C'était uniquement pour vous présenter la map qui est plutôt stylée. Et peut-être que parmi vous, il y a des gars qui veulent se lancer dans l'aventure. Écoutez, essayez, moi je vous encourage. Parce que personnellement, j'ai jamais vu de Life Australia après avoir avec l'auteur. Peut-être qu'il ne veut pas, on verra bien. Mais bref, c'est cool de sa part d'avoir partagé sa map. Parce que elle est quand même plutôt badass et elle est juste immense. C'est vraiment un truc de fou furieux. Elle est immense. Les gars, nous on cesse là-dessus. Ça aura duré un peu plus d'une heure pour vous présenter cette map. Si vous connaissez d'autres maps plutôt badass, envoyez-les moi sur Twitter ou dans les commentaires ou par mail. Et s'il y en a que j'aime bien, mais écoutez, je vous ferai une petite vidéo comme ça où on ira dessus puis on regardera un petit peu ce qu'on peut faire. Voyez-vous, les gens, on cesse là-dessus. C'était un super. À plus dans le bus. Tchouf! Disparition.